Yo tout le monde, c'est Kylian, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve sur The Barber Shop. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo dessus et j'avais envie de raser. Ah, j'avais envie de raser des barbes, de faire des folies. Donc du coup on va faire new game, enfin on va faire new game, ouais. Ah bah non, ah il y a eu des mises à jour. J'ai pas le souvenir que c'était comme ça. Ah. J'avais oublié cette chanson. C'est vrai que c'était très c'était quelle année ça d'ailleurs? Enfin très ancien quoi. Donc c'est parti. Alors qu'est-ce que je dois faire? Ok, lui c'est juste attends, qui me dit que c'est pas un truc qui rase à 100% là? Ça c'est un truc qui rase à 100% ça. Est-ce qu'on a... Ah bah non, on a rien d'autre. Donc c'est la seule chose qu'on a ça. Mais après 10 ans, j'ai enfin compris qu'on pouvait bouger la caméra. Après 10 ans de gameplay. Forcément. Ah bah le mec, j'ai mis un temps. Bah là, laisse tomber le temps là. Hein. Oh. S'il vous plaît, monsieur. Voilà, magnifique. Mais c'est magnifique. Regardez-moi ça. Ah, les voitures qui passent et tout. Ce jeu est au top. Bon, finish. Attends. Là, il a un petit poil. Moi, j'ai fait ça en 10 ans. Finished. Eh, hey, s'il te plaît. S'il te plaît. Ma performance quand même valait le coup. J'ai mis 10 ans à comprendre qu'on pouvait faire une rotation de la caméra, mais j'ai quand même compris, donc c'est le principal. Le taillage était propre. Ne dites pas le contraire, le taillage était très propre. Bon, ça va. Ça va, on est sur des bons trucs. On est sur un bon filon, pas dégueulasse. Donc n'hésitez pas, si toi derrière ton écran tu veux te raser la barbe, faites appel à Kiki. On rase, on rase, on rase. Oh, qu'est-ce que ça doit être chiant les mecs, sans déconner, de vous... Enfin, ça doit être embêtant pour vous quand même, se raser la barbe, c'est pas un truc facile, hein. Pour ceux qui font des espèces de, j'allais dire, des logos. Mais quand ils font court à un endroit, je sais pas quoi, un peu plus long, machin, et donc, ça doit être embêtant. Oh là là, je gère. Oh, eh mais je crois que je vais me reconvertir. Hein. Oh, mais regarde-moi ça, c'est-il pas beau? Eh, oh là 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 là. Eh, une précision d'orfèvre, hein. Un bijoutier, tout simplement. Là, 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 franchement, ne dites pas le contraire, ne dites pas que j'ai fait un mauvais travail. Moi, j'adore le travail que j'ai fait. Un travail de qualité. Ah, de qualité. Ah non, non, rien à dire. En plus, il y a de la très bonne musique. Très bonne musique, non. On est sur un... Quoi? Tu te moques de moi? Eh, au niveau de la vitesse, là. S'il te plaît, hein. D'accord? Faut pas pousser mémé dans les orties. Hein. Parce que hein, c'est pas de ma faute, il y a une caméra de merde, quand même. Hein. Incroyable ça, hein, les gens sont mal polis. Qu'est-ce qu'il veut le petit monsieur? Eh ben il veut un petit truc un peu plus simple. Eh ben voilà. Eh ben c'est parti, on est reparti sur de la rase. Hein. Attends, j'ai peut-être trouvé la technique. Si j'ai trouvé la technique, ce n'est pas de la triche. C'est tout simplement une façon de gagner du temps. Elle est pas dégueulasse ma technique. Elle se vaut, elle se vaut. D'ailleurs, dites-moi, je parle au client, est-ce que vous avez écouté le dernier album d'Ed Sheeran? Vous n'êtes pas sans savoir que je suis fan d'Ed Sheeran. Oh, ce nouvel album est une tuerie. Et je vais pas vous mentir, il y a deux chansons que j'apprécie pas trop. Mais après, tout le reste de l'album, j'adore quoi. J'adore, je suis fan. Finished. Et pour vous dire, regardez, je ne vous mens pas. C'est qui a l'album? C'est Kiki. C'est Kiki. Bon, allez. Mettez-moi tout. Allez. Non, mais en termes de rapidité, ils mettent ça? Attends, j'ai Rox, là. La technique de la caméra, fluidité, machin. J'étais bien, là, quand même. Eh, oh. C'est plus. Ouais. Il y a de la chance que je vous fasse des promos ces derniers temps. Hein. Ah, ça y est, on rentre dans des trucs... ok, ok. Alors, faut pas jouer au con. Ça y est, on rentre dans des trucs un peu plus costauds, là. Ça y est, là, on rentre dans l'esthétique pure et dure. Sur de la qualité, j'ai envie de vous dire. Eh, c'est pas le moment que je me foire. Hein, parce que là, je vais vraiment passer pour une peine cul. S'il vous plaît, j'aimerais changer l'angle de ma caméra. Oh, ouh! J'ai failli faire une erreur, là. Un travail d'orfèvre. De la propreté avant tout. Hop, on monte un peu la caméra. Hop, non, pardon, on tourne. Merde, il y a un côté plus haut que l'autre. C'est léger, c'est léger. Si rien, ne vous inquiétez pas. Je fais des progrès, hein. Je crois que la première fois que je l'avais fait, c'était un peu la merde. Putain, merde! Merde, merde, merde! C'est rien, c'est rien.
C'est rien du tout. Ça se rattrape, ça, c'est rien. Voilà. Comme ça, ça ressemblera même encore plus au modèle d'avant. Là, par contre, on part sur un truc qui est plus du tout. Putain, mais on ne part... Là, on n'est plus sur... Fais voir la gueule. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, on en voit, on en voit. C'est pas grave, au pire, ça repousse, la barbe. C'est comme les poils de cul, ça repousse. Hein. Pourquoi j'ai dit ça? Oh, genre, on est à ça de toucher la pépite. C'est pas grave, on a quand même eu notre argent. C'est le principal. Ah, 325 le prochain quand même. Hein. Bon, c'est pas grave, je continue de tailler de la barbe, moi. Hein. On va tester. Celui-là, il fait quoi? Ok. Et l'autre? Ah, c'est plus fin. Ça a plus un travail d'orfèvre à l'autre. Par contre, ils auraient pu mettre d'autres modèles, hein, parce que là, c'est toujours le même mec qui se fait raser. Après, c'est un petit jeu gratos. Faut pas en demander trop. D'ailleurs, je vous mets le jeu en barre d'infos, au cas où, si vous voulez le tester. Il est pas très lourd, il fait 430 mégaoctets, 480 mégaoctets, quelque chose comme ça. Donc, je vous mets tout en barre d'infos, de toute façon. Ah, ça passe à travers, tu sais, comme si dans la vraie vie, ça passe à travers comme ça. Bon, alors, je vous fais quoi, une petite coupe de la glotte? Ah, mais ça, ce qui est, le seul truc qui est chiant, c'est que ça passe à travers. Par contre, il devrait faire un système où quand tu appuies dessus, tu sais, en fonction de la pression que tu lui mets sur le visage, il saigne ou pas. Ça, ça serait rigolo. Tu vois, ça pourrait faire un peu un Surgeon Simulator, quoi. Oh, tu vas pas rester longtemps, mon salaud, moi, je te le dis, hein. J'ai fini. Alors là, si le mec me dit que ça ne lui plaît pas, alors que je me suis fait chier à faire exactement comme la photo, il se moque pas de moi, hein. Non, non, ça te plaît, mec. J'ai fait l'identique de ce que t'as demandé sur la photo. Donc, si ça ne te plaît pas, c'est forcément que tu avais des goûts de chiottes. Ouais. Ouais, 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 ouais. Oh, on a débloqué la moustache. Moustache qu'on connaît dans les YMCA. on est sur quoi, là? Ah, bah, on est encore sur le même trip, hein. J'ai envie de tester un truc. Faire que de la merde au mec. On est sur un bon truc, là, hein. Limite, j'aimerais lui laisser la petite moustache. Ouais. Putain, je serais à me dire, ça fait pas vachement Hitler, là. Bon, Hitler qui a pris un coup dans la gueule, mais... Eh, finished. Mon gars, me ment pas. Yeah. Nickel. Banco. Moi, je dis banco. 280, qu'est-ce qu'on peut s'acheter avec 280? Bah, toujours rien, tout simplement. On est des gros clochards. Allez, encore un autre truc. Encore une barbe comme ça, mais dis donc, vous n'avez que ça en tête. Ah, je teste un truc, ok? Je vais essayer de faire de la grosse merde. Et voir si le gars, ça lui plaît. Hop. Moi, je laisse parler mon créatif. Eh, alors, je suis désolée. Finished. C'est magnifique, ça. Oh! Eh, le mec, j'ai fait quelque chose qu'il ne m'avait absolument pas demandé et ça lui a plu. Ça lui a plu. Donc moi, je continue. Ah, eh ben ça, c'est bon à voir, ça. Hop, on repart sur un taillage un peu plus bas, cette fois-ci. Pas partout, parce que des choses homogènes, ce n'est pas les plus jolies. Donc du coup, moi, je suis comme ça. Je fais partie d'un petit barbershop, on n'aime pas les trucs homogènes. Voilà, eh ben voilà. Bon, là, par contre, au niveau de la... ça lui plaisait moins. Ah, ça y est, on a un truc qui change. Oh, alors attends. Il veut une memou. Alors. Alors. Ok. Attends, moi je veux le petit là. Il est petit lui. Déjà c'est très mal barré parce que j'ai coupé le côté qu'il ne fallait pas que je coupe. Donc déjà. On passe une journée de merde. Voilà. Ensuite. Voilà. Donc tout ça après, on peut couper. Ensuite, là, qu'est-ce qu'il veut? Ça, on enlève parce que c'est pas beau, c'est très moche. Eh, attendez, attendez, je crois qu'on est sur un bon truc. Une fois de plus, hein. On part sur de la qualité. Hein. Tu vois, c'est ça que j'aurais dû laisser les moustaches qui tombent, là. Tu vois, c'est ça que j'aurais dû laisser. Le problème, c'est que je me suis plantée. Donc, je vais couper. Parce que ça va faire con. Voilà. Là, par contre, je vais prendre le plus grand. Voilà.
Alors ça, si le mec, ça ne lui plaît pas, j'enlève mon métier de barbershop. Je l'enlève. Attends, faut pas chier dans la colle. Eh, vous en pensez quoi? Dites-moi dans les commentaires. On n'est pas sur du dégueulasse. Ça, je lui laisserai bien, tu vois, pour un côté style. Mais les gens ne comprennent pas. Ils sont trop bornés, les gens. Eh ben, impeccable. Finished. Magnifique. Je suis désolée, c'est ce qui... Ben voilà, tu m'étonnes que ça lui plaît au client. Il faut faire ce qu'il demande. Ou pas, ça dépend des fois. Mmh. Oh, je peux me payer la silver. Ouais, ouais, ouais. Mais on s'en fout d'un côté, la petite silver machin. Elles nous vont très bien, les nôtres. À moins qu'elles ont des capacités supplémentaires. Non, je vais acheter la cape. Merde! Non, j'ai payé l'autre, c'est bien ça. Merde! Alors, fais voir. Oh, par contre, elle est belle. Alors ça, j'ai rien à dire. Alors, en termes de... Ouais. Elle est belle gosse. Est-ce qu'elle taille mieux? Ah ouais, attends, je crois qu'elle taille carrément mieux, même. Oh, dis donc. Ah non, bah on est sur un bon filon. Hein. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le même concept, mais pour la coiffure? Parce que alors moi, je m'éclaterais. Hein. Donnez-moi ce concept pour la coiffure. Moi, je vous fais de ces trucs oufissime. Hein. Oh là là, mais regardez-moi ça. Oh, du travail d'orfèvre, je vous l'ai dit. Tout simplement, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, le travail, tout simplement. Ah, est-ce qu'on est banco? Moi, j'ai envie de te dire ouais. Il manque juste un petit poil de cul, là, que j'arrive pas à enlever... Qui me fait perdre du temps. Donc vous allez garder votre poil de cul, monsieur, c'est tout. Il n'y a pas de secret. Oh là là. Impeccable, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Magnifique. En attendant, j'espère vraiment que cet épisode sur The Barbershop vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas et si vous voulez plus de vidéos de ce type. Continuez à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook et tout est listé en barre d'infos de toute façon, ainsi que Steam, PSN et autres Xbox. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.